Tu as bien mangé, mon amour? C'était délicieux, comme d'habitude, ma chérie. Tu es vraiment une as de la cuisine. C'est un plaisir de cuisiner pour Sa Majesté. Tu viens comment, mon amour? Non, tu viens de dessert? Non, j'ai une dure journée, je pense que vous allez me coucher. D'accord, mais la chambre est prête, je te rejoins. J'espère qu'il te reste un peu d'énergie pour moi. Toi, je suis de peine. Tiens, c'est Jérôme. Il a changé depuis la deuxième secondaire. Je me demande ce qu'il devient. Mais bon, j'en connais un qui attend sa surprise. Tiens, Chloé a accepté ma demande d'ajout. Toujours aussi jolie, toujours aussi apprêtée. Tu n'as pas changé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu sais. Oh, tu habites là maintenant. Le même quartier que moi lorsque j'étais enfant. Tu sais, j'en connais chaque rue comme ma poche. Tu es encore avec ce gros bêta. Oh, je savais que tu réussirais en tant qu'infirmière. Tu pourras t'occuper de moi lorsque je n'irai pas bien. Alors, quelle est cette chose si importante dont tu voulais nous parler? Mon mère a envie de le savoir. Oh, on pourrait être envie de vous l'annoncer, mais bon, on pouvait pas le faire au téléphone. Voilà, j'ai été chez le médecin. Et je suis enceinte! Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Et quand ce petit bout de chou sera parmi nous, et c'est une fille ou un garçon? Je sais pas, on l'a vu dans mes prises de sang, mais bon, je voulais quand même que ça m'arrête au courant. Ma reine! Oh, ma chérie! Tu croyais que j'allais t'oublier? Bon, je cours avertir mes parents, hein, quand même. Voilà une femme à marier. T'as pas le droit de dire ça. Allô, maman? Non, c'est Ryan, il a fait une réflexion. Depuis que j'ai perdu Léo, c'est plus pareil. Oh mon nom, dans les bois, pendant que je n'oublie pas, si je n'oublie pas, il me mangerait. Comme il n'oublie pas, il ne mangera pas. Chérie. Oh ma belle, je m'inquiétais tellement. Où étais-tu passée? Tu m'as fait si peur. J'avais besoin de prendre à l'air. Je t'aime. Moi aussi, ma belle. Hier sur Facebook, il y a un ami de longue date qui m'a rajouté, c'est Jérôme. Et on était allés à l'école ensemble, mais il n'était pas très apprécié. Oh mais pourquoi tu ne l'inviterais pas demain soir? Ah oui, c'est une bonne idée. C'était bien, mon amour. Merci. Ah, je vais aller voir qui c'est. Non, mais bon, je vais aller voir moi-même. D'accord. Bonjour, je suis bien chez Chloé. Bonjour, oui, c'est cela, je suis son mari. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je me présente, Jérôme. Ah, enchanté. Vous êtes un peu à l'avance. Oui, je devais passer ce soir, mais j'avais un problème, alors j'ai pris l'initiative de passer ce matin. Ça ne vous gêne pas? Non, du tout. Entrez. Je vous remercie, chez Chloé. Jérôme! Chloé! Oh, tu n'as pas changé. Toujours aussi jolie. Vous formez un beau couple. Tu boiras bien quelque chose? Quelque chose de fort, oui. C'est un peu tôt pour l'apéro, peut-être. Je n'ai aucun problème à aller dans l'alcool, moi. Un café suffira amplement. Décidément, Jérôme, tu en sais déjà beaucoup sur moi. Mais je vais mieux, je te remercie. J'ai préparé ceci. Merci.
Alors que deviens-tu? Comme tu vois, moi je suis le parfait amour. Je sais que tu mens. Il est temps de partir, Chloé. Viens avec moi. Partons loin de cet abruti. Je pourrais te faire un enfant et le garder, moi. Mais comment tu sais ça? Qu'est-ce qui te prend? Je t'aime, Chloé, et je t'ai toujours aimé. Je vais te demander de partir. J'en reviendrai, et tu le sais. Jérôme, il est du sucre? Mais enfin, où est-il? Il a dû partir. Hé, t'as reçu une lettre bizarre. Ah bon? C'est certainement une blague. Allô? Allô? Ça répond toujours pas. Ça va, ma puce? Non. Le jour quand Jérôme est venu et que tu faisais le café, il a commencé à divaguer et je l'ai mis dehors. Et il a dit que la prochaine fois, il reviendrait et que je devais être prête. Prête pour quoi? À partir avec lui, sinon il te tuera. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je vais prévenir les autorités. Mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Viens avec moi. Ryan! On ne sait plus quoi faire. J'ai un terrain isolé, ça vous intéresse? Assez idéal pour le camping. Et il pourra pas vous y retrouver. C'est une bonne idée. Est-ce que tu en penses, ma chérie? Ouais, nous partons dès demain. Chloé est à moi. Quoi? Tu es enfin à moi. Tu es fou.
and a flashy girl, a superstar in motion. Now we're gonna have some fun. Bois Carré, les marques à porter.